J'ai toujours voulu être docteur. Donc là, je fais mon PhD pour réaliser mon rêve. Maintenant, pour faire la recherche plus tard, là, c'est une autre question. C'est une aventure, on se lance dans un domaine qu'on ne connaît pas. C'est comme dans un film, vous avancez, vous avez des pièges. Et bien, la science, elle nous réserve tout le temps des pièges. Donc, il faut les résoudre au jour le jour, répondre à des questions au fur et à mesure. Et pour espérer un jour trouver l'énigme de la question qu'on se posait au début. Au cégep, on a des cours un peu plus développés vers la science. J'avais fait des sciences de la nature. Puis il y avait un prof en particulier qui était vraiment... Il était passionné au niveau de la biologie, puis ça m'a vraiment donné le goût. J'étais plus à mathématiques, puis la biologie, c'est complètement un autre univers. Ici, c'est la scène de crime, donc on essaie de vulgariser un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau... si par exemple, on réfère un peu à CSI, là, les émissions comme ça, on essaie de travailler un peu, montrer que c'est pas juste mettre un tube dans une machine, puis hop, hop, on a une réponse à nos suspects. Donc on essaie de voir un peu au niveau de manipulation, qu'est-ce qu'on peut faire. Je prends tant les profils scientifiques, après sciences nature, puis là, bon, qu'est-ce que je veux faire? Puis le bac de biochimie ici à l'Université de Sherbrooke m'a vraiment intéressée. Puis après avoir obtenu beaucoup de succès dans mes études, je me suis dit pourquoi pas continuer au niveau de la maîtrise. Je suis aussi dans Parlons Science, un organisme qui valorise la vulgarisation de la science aux enfants du primaire. Donc je trouve ça important de continuer un peu sur cette lancée-là, mais avec des gens plus de secondaire, cégep, pour leur montrer vraiment ce qu'on fait concrètement dans la communauté scientifique. Ça donne un peu la flamme de la science, ça montre qu'on n'est pas juste des petits scientifiques assis à son bureau, avec ta petite lampe de chevet, avec des souris à côté, puis qu'on fait plus des choses concrètes, puis qu'on est dans un environnement stimulant, puis qu'on est plein de gens. C'est toujours le fun d'être bien entouré. Bien, je pense que les jeunes n'ont peut-être pas une idée de qu'est-ce que c'est un travail en laboratoire. Ça a peut-être l'air monotone ou quoi que ce soit, puis on veut juste leur montrer que c'est super intéressant, que ça se fait bien, puis que, dans le fond, c'est motivant, puis on est des personnes normales là, qui travaillent en laboratoire. Là. C'est pour faire promouvoir les expériences qu'on fait ici au laboratoire, les métiers qui s'en découlent, le PRAC, l'institut dans lequel on travaille, pour montrer aux gens qu'il y a de la recherche qui se fait à Sherbrooke. D'ouvrir les portes à quelque chose qui est très, très spécialisé, mais ça permet de montrer un peu la vraie nature de ce qu'on fait. Puis le recrutement, c'est important pour que les jeunes se motivent à faire des études, puis voit qu'en bout de ligne, ça mène à quelque chose, puis ça peut être très intéressant.